Curieux sujet, le temps. Je crois que ce thème valait la peine qu'on le développe, parce que apparemment, dans les habitudes africaines, particulièrement congolaises, le temps n'est pas précieux. Et pourtant, les Américains disent « time is money ». Je n'en dis pas plus. Je vous présente mes invités, le professeur Mpoi Kamulai. Professeur, bonsoir et bonjour. Bonsoir, je dirais bonjour aussi. Oui, très bien. Parce que cette émission est rediffusée pendant la journée. Alors si vous ne dites pas bonjour à ceux qui nous suivent pendant la journée, vous aurez tort. Et je vais ajouter, parce que cette émission est suivie non seulement au Congo, mais quand il fait jour ici, c'est la nuit ailleurs, et comme le monde est plein de fuseaux horaires, quand c'est parlant du temps, je vous provoque. Merci. Monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Oui, le temps. Chers téléspectateurs, moi j'ai l'impression vraiment que nous devions à un certain moment nous arrêter sur ce thème. Professeur, pourquoi ? Soyez bref, nous ne sommes pas vos étudiants ni vos adeptes, parce que vous avez risqué d'être monseigneur. Alors, soyez... pourquoi le temps ? Vous qui avez été partout, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ou l'expression consacrée « time is money ». Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Je commencerai par une formule lapidaire que j'ai, je pense l'avoir inventée, jusqu'à preuve du contraire, mais j'aime dire à mes étudiants que le temps est le seul bien marchand que nous avons tous reçu en égal le partage. Mais le pauvre en a toujours en surabondance, tandis que le riche en a toujours en quantité insuffisante. Et alors, très souvent, ils sont étonnés, parce que avant d'abord de leur dire ça, je commence par leur poser la question simple. Qu'est-ce que nous avons tous reçu un égal partage. Alors, il y en a qui parlent de l'air, il y en a qui parlent de la liberté, jusqu'au moment où je les ramène à cette réalisation qui échappe à l'attention de beaucoup. Oui, mais l'air aussi. Oui, mais je dis le seul bien marchand que nous avons. Parce que le temps est la seule chose que nous vendons. Lorsque quelqu'un cherche du travail, qu'est-ce qu'il cherche en fait ? Il cherche à vendre son temps. Et le chômeur, c'est celui qui ne trouve personne pour acheter son temps. Très bien. Aussi simple que ça. Alors, Modeste Bouligama, je crois qu'on voit tout de suite le lien qu'il y a entre le travail et le temps. Parce que, effectivement, nous, on se rend compte que nous n'avons pas pris la mesure de la valeur de ce temps-là. Parce que, malheureusement, il se fait que l'exemple vient d'en haut chez nous. Ce sont les plus hauts responsables qui donnent l'impression que le temps n'a pas de valeur. Vous êtes invité par une haute autorité de la République qui vous dit: demain à 9h, soyez à mon cabinet.
Vous vous annulez tout. Parce que, bien sûr, le ministre ou tel vous a dit de venir à 9h. À 9h moins le quart, vous êtes déjà là. Bien sûr. Si ce n'est pas à 8h30. Si ce n'est pas à 8h30. Les embouteillages. Eh bien, vous arrivez à l'heure dite et vous restez toute la journée à attendre d'être reçu. C'est la preuve que, au plus haut sommet de l'État, on n'a pas la notion de la valeur du temps. Et donc, il était vraiment temps que nous puissions aborder ces sujets. Qui est le bien marchand. Ah oui, bien marchand, nous le vendons. Mais ceux qui nous le prennent gratuitement comme ça, parce que nous les attendons, on peut les attendre pendant 2 jours et ils ne nous recevront toujours pas. Qu'est-ce qu'ils sont? Alors j'ai beaucoup aimé la connexion que mon vieux frère a faite concernant les dirigeants et l'utilisation du temps. Parce que si on n'a pas conscience en tant que dirigeant de la valeur du temps, de son propre temps d'abord, alors comment est-ce que, en tant que dirigeant, on peut concevoir les voies et moyens de valoriser le temps de chaque citoyen? Alors il y a une, pour nous qui avons été à l'école et qui prenons un certain plaisir à émuler Voltaire dans le maniement de sa langue. N'est-ce pas? On dit que la ponctualité, je vous laisse compléter, la politesse des grands. La politesse des rois. Ouais. Et alors, quand nos rois ne se rendent pas compte qu'il faut être ponctuel, il y a un petit problème, sinon un grand problème. Et donc, cette problématique du temps va nous aider à voir que la valorisation du temps de chacun de nous est la première, est la pierre angulaire, si je puis m'exprimer ainsi, du développement. Mais je me rétracte tout de suite parce que le développement est devenu un mot qui est tellement galvaudé. Mais c'est la pierre angulaire de la recherche du bonheur, qui est la finalité de l'homme et de la femme, bien sûr, ici sur Terre. Parce que je n'arrive toujours pas à me défaire de mes références chrétiennes, oui, bibliques. Lorsque les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent, alors, qu'est-ce qu'ils eurent comme punition? Dieu leur dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Et donc, avant, Adam et Ève ne mesuraient pas la valeur du temps. Ils étaient là, ils avaient tout à portée de main, ils avaient le bonheur. Et puis ensuite, ils ont appris que le bonheur ne pouvait se réaliser que par la valorisation de leur temps à travers le travail. Tout à fait. C'est une problématique effectivement intéressante. Mais quand on met ça en pratique en République démocratique du Congo, à un moment, disons pendant la Deuxième République, il y a plus jeunes, il y a des gens qui n'ont pas... On disait, il faut être... Il faut faire 8 heures de travail. Mais en fait, on pouvait même faire 13 heures au travail et pas de travail. Vous vous en souvenez? Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, chez nous, le temps... Il est élastique. Oui, et puis il a perdu sa valeur aussi parce que ce qu'ailleurs on appelle le SMIC. Oui. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Mmh. C'est un montant qui s'obtient
en intégrant beaucoup de choses, des paramètres, pour dire, voilà, si quelqu'un a ce revenu-là, il peut vivre. Pas comme un prince, mais il peut vivre. Décemment. Oui, décemment. Moi, j'allais même dire plus ou moins décemment, mais disons décemment. Parce que si tout partait de là, peut-être qu'il y aurait moins de tricherie en ce qui concerne effectivement le temps consommé pour le travail pour lequel on a été engagé. Parce que le fait d'avoir, de savoir que si je suis renvoyé de là où je travaille, je ne saurais plus vivre, je ne saurais plus tenir. Je n'ai pas intérêt à me retrouver parce que je n'ai pas respecté les termes du contrat. Je me retrouve sans emploi. Mais chez nous, le fait que le travail n'est pas valorisé correctement, les gens n'ont plus peur de perdre leur emploi. Parce qu'ils comprennent que finalement, c'est des jongleries qu'il faut faire. Même le chef qui est censé vous sanctionner en cas de manquement, lui-même aussi ne donne pas les bons exemples. Voilà. Parce que lui aussi se plaint de ne pas être correctement payé. Donc, je crois qu'il y a le lien qu'il fallait établir dès le départ pour dire un travail, un poste de travail doit être payé à son juste niveau, j'allais dire. Parce qu'à ce moment-là, d'abord, tout le monde va respecter les termes, parce qu'il se dit, c'est ça qui me fait vivre, et on ne va plus, parce que c'est ça qui est encore l'autre revers, c'est que nous ici, on recrute à tour de bras, dans nos administrations, on n'arrête pas de distribuer des numéros matricules. Oui, vous arrivez dans un bureau, il y a 8 personnes. Il y a 8 personnes. Comme réceptionniste. Voilà, donc manifestement, le travail d'une personne est dilué dans plusieurs agents qui, chacun, mène un papier là-bas. Bon, il reste de toute façon dans les parages jusqu'à la fin. En train de faire autre chose, sauf le travail. Sauf le travail. Je vais vous donner une anecdote. Nous arrivons au Japon avec le maréchal. Et puis, on est en train de visiter. À un certain moment, je ne sais pas si c'était joué, à un certain moment, on trouve une femme en train de pleurer. Alors, tout de suite, on dit, mais vous savez pourquoi elle pleure? Parce qu'ici, au Japon, tout est fait au lieu de travail, le mariage et tout ça. On prend plus de temps. Au travail qu'à la maison, parce que les maisons sont petites. Elle pleure parce qu'elle est arrivée en retard. Je ne sais pas si c'était joué ou si c'était vrai, mais cette femme était en pleurs. On dit, elle est arrivée en retard. Oh, c'est au travail qu'on lui donne tout. Le mariage est organisé au travail, tout est fait ici. Alors, pour être arrivée en retard, elle est en train de pleurer. Professeur? Parce qu'elle a anticipé la sanction. Oui. Parce qu'elle est vraiment consciente que le fait d'avoir commis ce manquement peut lui coûter la prise de conscience que ce manquement, qui chez nous paraîtrait comme chose normale, mais pour elle, elle anticipe la sanction. Et cette sanction tombera. Avec une certitude, parce que lorsque l'on commence à badiner avec la sanction, qu'est-ce que l'on fait? On encourage ce type de comportement. C'est pour ça que les sociétés, notamment japonaises, où la discipline est des rigueurs, c'est parce que vous devez intérioriser tout cela, et quand vous avez intériorisé, ça devient alors votre seconde nature, comme on dit, mais ça devient votre nature. Et j'évoque ça parce que ça me permet de montrer comment chez nous, on pense que ne pas appréhender la valeur du temps,
c'est propre à notre nature. Non. J'ai entendu une déformation. Quelques-uns de nos collègues en bolo, pour ne pas dire qui nous sommes, argumenter et dire non, c'est dans la nature de l'homme noir de ne pas avoir conscience ou du temps ou de valoriser le temps. Alors là, j'aimerais retourner un peu à ce que nos compatriotes, ou à l'époque, parce que moi j'ai eu je ne sais pas si je peux appeler maintenant ça le privilège, quand je regarde avec le recul du temps, oui, ça a été un privilège de vivre au village. En 1960, juste avant l'indépendance, nous qui étions les enfants des évolués dans la province du Kasaï, nous sommes rentrés au village. Contraints et forcés. Ah bon? Et oui, en 60, vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez. Pardon. Oui, bien. Excusez-moi. Contraints et forcés. C'est pas moi qui. Voilà. C'est pas à moi qu'il faut rappeler ça. Ah oui, surtout quand on était à Elisabethville. Pardon. Ah bon, d'accord. Et donc, ayant vécu au village pendant 2 ans à temps plein. Oui. J'ai pu mesurer ce que c'était que comment est-ce que nous appréhendions le temps. Eh bien, je vais raconter à nos téléspectateurs que lorsque nous sommes rentrés, mon village s'est trouvé, c'était le village de mes grands-parents, parce que mes parents n'étaient même pas nés eux-mêmes dans ce village-là. Et c'est un village qui est le fameux, si c'est un fameux lac, aujourd'hui il est devenu fameux parce qu'on me dit que tout le monde est en train de chercher un lopin de terre là-bas. C'est le lac Munkamba. Eh bien, nous sommes rentrés là-bas, il n'y avait pas d'école. Dans mon village, il y avait, en 1960, il n'y avait pas d'école. Nos parents ont compris, avait déjà compris que l'éducation, c'était la chose fondamentale absolument à donner à ses enfants. Et pour les quelques enseignants qui étaient refoulés aussi comme nous, on dit non, on doit instruire nos enfants. Il n'y avait pas de bâtiment. Quand je dis il n'y avait pas d'école, c'est littéralement. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'école. Et nous avons commencé à étudier sous l'arbre, assis sur les pierres, et c'est nous, tout petits que nous étions, en 1960, je n'avais que 10 ans, et nous allions le matin à l'école sous l'arbre, et après, à partir de 15 heures, nous devions aller en brousse pour récolter le matériel nécessaire à la construction de hangars qui devaient nous servir d'abri. Et donc, la vie au village, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que j'ai vécu au village? La vie est très chronométrée. Il n'y a pas de paresseux au village. On se lève avec avant la levée du soleil. Oui, au champ du coq. Parce qu'on doit s'apprêter pour aller au champ. Et quand on va au champ, parce qu'il faut travailler quand il fait encore relativement frais, parce que quand il devient, quand le soleil atteint les zéniths, ça devient très pénible. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai constaté aussi? Qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que j'allais au champ après, surtout pendant les petites périodes de vacances, avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Mais le travail ne s'arrêtait pas là, surtout pour nos mamans. Elles devaient, après le travail du champ, aller chercher de l'eau, puiser de l'eau, ramener de l'eau à la maison. Les fagots de bois. Les fagots de bois et tout ça, et puis faire la nourriture pour eux. Donc le temps au village est géré d'une manière très rationnelle. Au village, on ne tourne pas les pouces. Non, moi, j'ai fait la même expérience. Enfin, moi, je n'étais pas refoulé. Ce sont les miens qui étaient les refouleurs. Enfin, mais pendant les vacances, on allait effectivement au village. Et les grands-pères se réveillaient au premier chant du coq. Non, au deuxième chant du coq.
Parce que le premier, je crois que c'était vers 3 heures du matin, et le second, 4 heures. Et donc, effectivement, là, je me retrouve, c'est fou que c'est dans notre nature de nous amuser avec le temps. Et moi, je me souviens, 17 heures, c'était l'heure du repas. C'était Imla. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose. Enfin, je n'ai pas appris. Vous m'avez rappelé. Et parlant de repas, si vous me permettez, parce que je ne voudrais pas interrompre le déroulement harmonieux. Le repas était une activité tellement sacrée, parce qu'on mangeait tous autour de, avec Nomba, dans la même, je veux dire, casserole. Et il y avait... Et quand vous n'étiez pas là, évidemment, on n'allait rien garder pour vous. Mais bien entendu. Et puis, c'était même bien organisé. Ce sont les vieux qui commençaient par se laver les mains, et puis les plus jeunes. Quand on terminait, quand vous terminez vous étiez rassasié, que vous étiez jeune, il n'est pas question de quitter le lieu parce que vous vous laverez le dernier. Enfin, c'était tout un rite. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Oui, vous avez découvert aussi... que oui, dans nos traditions, oui. C'était pas dans la nature des hommes ou des non, femmes. Non, pas du tout, pas du tout. De s'amuser avec le temps. Moi, j'ai eu peut-être la chance d'être fils d'enseignant. Évolué. Tout près de la paroisse. Il n'y avait pas plus évolué. Donc, c'était finalement un milieu un peu européanisé, disons, déjà à l'époque. Ce qui fait que. Mais sinon, la rigueur avec le temps, effectivement, ça a toujours été la même chose partout. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'oisiveté. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'oisiveté. Et d'ailleurs, je me souviens que quand il fallait maintenant collecter les impôts, mm-hmm. parce que dès que vous avez atteint l'âge adulte, mm-hmm. vous devez commencer à payer l'impôt. Et le jour où il y a la tournée là. Mmh. Ben, si vous n'êtes pas en mesure de payer l'impôt, vous devez vous cacher. Ah oui, vous devez aller en brousse. Vous devez aller en brousse. Parce que on sait que vous êtes capable de travailler et de produire. Mmh. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de rigolade de ce côté-là. Mais je voulais aussi un peu mettre l'accent sur la disparité qui existe aujourd'hui. On en a parlé, je crois, avant l'émission. Entre le secteur privé et l'officiel. Oui, le secteur public. Pourquoi dans le privé, jusque maintenant, les gens, ça commence à 6 heures. Hein, dans certaines sociétés, c'est à 6h30 déjà que le travail commence, surtout dans les mines. Ouais. Donc, dire que... Le temps, c'est dans notre nature de faire, de prendre. Non, c'est pas vrai. C'est pas une question de nature. C'est une question de dérive, de dérèglement. Tout à fait. Oui, d'accord. Excuse-moi vraiment de vous interrompre, cher ami. Vous savez, ici à Kinshasa, quand je suis arrivé à Kinshasa, il pleut, c'était un prétexte. Mais à Lubumbashi, à la Gécamine, 7h30, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc, 7h25. Vous êtes là, vous entrez dans votre bureau, et c'est pour ça qu'il y avait même des imperméables. Oui. Est-ce qu'il y a des imperméables ici? Je ne sais pas. Pourquoi ça n'a plus de... C'est un article qui a... Ça ne fait plus recette. Parce que quand il pleut, tout doit s'arrêter. Tout s'arrête parce que le trafic... Parce que la ville... S'arrête. Tout s'arrête. Il y a inondation parce que vous êtes passé pas plus tard qu'il y a 2 semaines devant l'hôtel de ville. Je suis passé par là, c'était un lac. Ouais. L'hôtel de ville, le gouverneur de la province du Kinshasa, qui est en train d'assainir apparemment en détruisant ici et là. Mais devant l'hôtel de ville, l'eau stagne. Et comment entrer à l'heure si l'eau stagne? Effectivement, tout s'arrête. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, depuis que je suis arrivé à Kinshasa, c'était le truc... Non, vous les avez... Non, parce que nous avons été à l'université, le Vanium, rien ne s'arrêtait.
Les imperméables existaient encore quand nous sommes arrivés ici. Et quand il pleuvait, ce n'était pas... Non, rien ne s'arrêtait. Il n'y l'autait pas. Moi, je suis arrivé en 80. Voilà, 10 ans plus tard. Donc, ce qui était... Mais ce n'est pas seulement en ce temps-là. J'étais très surpris de voir que ça se passe encore aujourd'hui que dans le secteur privé. Il y a des parents qui habitent très loin, notamment quand vous prenez la distance du... Mont en bas, le plateau des Réunions, il y a des résidents là-bas, pour ne pas dire simplement des professeurs, parce que maintenant tout le monde est là, qui envoient leurs enfants au collège Boboto ou au lycée Bossangueli. Mais là-bas, on ne badine pas avec l'heure. Et on n'arrive pas en retard. Moi, j'ai des voisins qui se réveillent à 4h, 5h du matin, la voiture est partie. Et donc, c'est pour dire que ce laxisme, et Modeste a eu raison de dire, il commence au sommet de l'État. Et c'est au sommet de l'État avec la dégradation progressive que nous avons eue de notre pays, jusqu'à ce jour où nous ne savons plus, il n'y a plus cette conscience qu'il faut valoriser le temps de chacun. À commencer par les jeunes. C'est pour ça qu'à Rarec, lors de notre colloque de juillet 2022, l'année passée, nous avons pris cette résolution importante de opérationnaliser le service militaire obligatoire, parce que vous savez quoi, à l'armée... On ne badine pas avec cette le temps, c'est... Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous n'allez pas dire quand vous êtes attaqué, non, maintenant c'est le temps, vous reposez-vous, nous arrêtons les hostilités parce qu'il pleut. Et quand donc nous parlons du service militaire obligatoire... Vous souhaitez ça, hein? Non seulement nous souhaitons ça, mais c'est le passage obligé pour procéder... formaté, et nous appelons ça le réarmement moral dont notre peuple a besoin pour se ressaisir et partir de bon pied, prendre un nouvel élan. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes sortent à 17 pour les plus précoces, 18 ans pour la majorité, 19 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aspiration? Tous aller à l'université. Mais on sait que tout le monde ne devrait pas aller à l'université. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Mais parce que l'université est considérée aujourd'hui comme la prolongation de l'école secondaire. Et un passe-temps. Alors que le service militaire obligatoire... valoriserait d'abord le temps de ces jeunes qui vont apprendre, un, la discipline qui n'existe plus pratiquement dans notre pays, le respect de la hiérarchie. De la hiérarchie. Et du temps. Et du temps. Parce qu'à l'armée, on ne badine pas avec le temps. On ne devrait pas badiner avec le temps. Aujourd'hui, c'est un peu, vous les voyez partout en désordre. Des militaires ne peuvent pas se balader comme on le voit ici, avec une arme, ils sont prêts, une gâchette facile. Un militaire, un soldat, ne peut être en dehors de son cantonnement que pour une mission, une destination précise, avec une mission précise, limitée dans le temps. Je vais vous donner un mauvais exemple, hein. Vraiment que les téléspectateurs ou les politiques m'excusent. Du temps où vous étiez refoulé, eh bien, les gendarmes, je m'excuse de parler des gendarmes de Tchoumbé, quand il était 17h30, vous les voyez arpenter pour aller regagner le camp militaire, parce qu'après 18h, on n'entre plus. C'est parler de discipline de fer. Et à l'époque, les parents, moi je me souviens des miens, si tu avais l'âge, tu serais allé
à l'armée, puisque c'est là qu'on trouve des tickets de rationnement. Certains nourrissent leurs parents au village, partout. C'est un mauvais exemple, je ferme la parenthèse. Oui, mais oui, mais nous sommes en train de parler de l'époque coloniale où il y avait cette discipline de fer. Bien, c'est ça qui a fait la colonie ici. La construction de la colonie. Finalement, lorsqu'on regarde bien, 80% des infrastructures que les colonisateurs nous ont laissées ont été réalisées juste après la guerre, 1945. La ville de Bukavu, dans sa belle robe de 60, c'est les constructions les plus importantes remontaient à 1945-50. Toutes les réalisations les plus importantes, finalement, c'est dans les 15 dernières années de la colonisation. Oui, mais là, c'était le travail forcé aussi. Hein. Ça veut dire que, bien sûr qu'il y avait le travail forcé pour certains, mais il y avait aussi la discipline dans les administrations. Absolument. C'est pas ça, le travail forcé. Le fait de respecter un horaire. Vous êtes payé pour faire un travail et vous travaillez effectivement pendant le temps imparti. Ben, ce n'est pas du travail forcé, vous avez accepté de faire ça. Il y avait effectivement quelques-uns qui avaient le... Hein, mais la majorité, c'était des travailleurs rémunérés qui faisaient correctement leur travail. Donc, si on avait continué avec cette rigueur-là, ben, je suis convaincu qu'on n'est pas là où on est aujourd'hui. Parce que je me souviens encore dans les mémoires de Pétillon, l'avant-dernier gouverneur général, il dit... Et dans l'administration publique, les fonctionnaires étaient cotés sur base de rapports. Donc, chacun dans son poste, il a des rapports à faire à sa hiérarchie. Et c'est sur cette base-là qu'il est apprécié, qu'il est coté et qu'il peut continuer à monter en grade. Mais à l'indépendance, tout ça est abandonné. Naturellement, à ce moment-là. Même les inspecteurs dans les écoles, maintenant, je ne sais pas si ça existe. Hein. À l'époque, quand passait l'inspecteur, non seulement le moniteur tremblait, mais vous tous aussi. Oui, bien sûr. Nous avons, évoquant le travail, le caractère forcé du travail. Oui. La colonisation, c'est-à-dire Léopold II, qui a amené cela, c'est parce que nous ne savions pas ce qu'était le travail pour produire de la richesse pour autrui. Alors, il s'est rendu compte, nos chefs qui étaient là avant, pour eux, ce n'était pas la notion c'était de produire pour la famille. C'était produire ce dont on avait besoin, un peu pour faire le trop. Si on avait du maïs, mais il fallait bien avoir un peu de protéines animales. Il fallait échanger. Donc, et ça, ce n'est pas propre à l'homme noir. Mais lorsque le travail, et quand j'ai évoqué la notion de travail forcé, c'est pour donner, partager un peu l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis en particulier, beaucoup de nos enfants qui veulent aller aux États-Unis. Je demande notamment à mes étudiants, parmi mes premières leçons, vous connaissez la loterie? Oh, oui, oui, la loterie. Non, je ne dis pas la loterie, le loto, mais ce qu'on appelle Amérique. Le DV. Oui. Ce qu'on appelle DV loterie. Vous savez, ah oui, 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 c'est quoi? Qui a joué à la loterie? Et c'est pratiquement toute la classe. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller aux États-Unis? Ah, mais alors, ils rêvent tous. Je dis, mais vous savez quoi, aux États-Unis? Vous voulez aller aux États-Unis parce que vous avez la certitude ici que votre temps ne vaut rien. Parce que là, votre temps sera rémunéré à sa juste valeur ou à ce que vous considérerez comme la juste valeur de votre temps. Et je ne vous blâme pas pour cela, parce que c'est ce que moi j'ai fait moi-même. Je suis resté aux États-Unis après mes études, parce que la rémunération de mon temps par mon employeur de l'époque était de loin supérieure
à celle que mon employeur, qui est l'université que j'enseigne aujourd'hui, m'aurait donnée pour mon temps. Mais vous savez quoi? Aux États-Unis, le salaire minimum horaire ne permet pas aux gens réellement de vivre décemment. C'est pour ça qu'aux États-Unis, et vous qui avez des amis et des frères là-bas, posez-leur la question. Ils ont chacun plus d'un boulot. Donc ils ne travaillent pas 8 heures, ils travaillent généralement 18 heures pour avoir de quoi, pour mener le train de vie qu'ils mènent là-bas. Et vous savez aussi quoi, parlant de travail forcé, vous savez quand quelqu'un travaille pour lui-même. D'abord, les cadres supérieurs dans tous les services et dans tous les pays. Les cadres supérieurs n'ont pas d'heures supplémentaires. Et vous savez que quand vous êtes un employé et que vous faites les heures supplémentaires, quand on vous le demande, vous pouvez accepter ou refuser. Mais généralement, pourquoi est-ce que vous acceptez? Parce que vous savez que ce n'est pas un travail forcé, vous en avez besoin. Donc pour quand améliorer les gens vos conditions. Arrivent à comprendre l'importance du travail, ce que tout le monde a compris aujourd'hui. Donc la question de cette notion, évidemment, c'est en volée lyrique de notre premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin. Mais aujourd'hui les gens veulent du travail. Et ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, sont incapables de nous organiser pour nous donner, pour donner à chacun le travail. J'ai évoqué Dieu quand il chasse Adam et Ève, mais c'est Saint Paul qui nous rappelle dans les Actes des Apôtres, si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger non plus. Donc le travail, la notion de travail forcé, c'est une notion surannée. Savez-vous d'ailleurs, et sans doute vous le savez, que les grands édifices que nous admirons, les basiliques, les cathédrales, ils ont été la Maison Blanche, le Capitole américain. Tout ça s'était fait avec, à l'époque, le travail pas toujours volontaire. Mais aujourd'hui, partout, dans notre époque contemporaine, n'importe qui veut vendre son temps. Si nous comprenons et nous intériorisons cela, nous ne parlerons plus d'un travail forcé, nous parlerons de l'achat du temps, de tout celui qui a le temps à vendre. Et comme nous le savons, et notre frère, l'économiste, confirmera, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a un point d'équilibre qui s'établit, alors vous avez le juste prix. Mais quand il y a des équilibres entre l'offre de temps et la demande de temps, alors les prix s'ajustent par l'effet du marché lui-même. Mais c'est pour ça que le temps, et je m'excuse, je ne vais pas être trop long, c'est pour ça que le temps d'un petit prince, le tout petit, parce que je compare moi à partir de... Vous voyez, quand vous êtes... au lieu de parler des princes, ça va même compliquer la compréhension. Vous prenez une simple femme, infirmière, prenons. Lorsqu'elle décide d'accoucher, d'avoir un enfant, elle le réalise tout de suite parce que l'instinct de procréation joue à tous les niveaux. Mais dès que l'enfant est arrivé, tout le temps, c'est pour lui. À un moment donné, vous devez maintenant accorder à cet enfant le temps, votre temps, afin qu'il puisse... l'enfant s'accapare désormais de votre temps. Et si vous n'avez pas ce temps, qu'est-ce que vous devez aller faire? Ici, chez nous, on va recourir à la tante, à la maman, à la cousine. Ou à la bonne. Mais la bonne, il faut la payer. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Que vous devez acheter le temps de quelqu'un d'autre pour, parce que vous n'avez pas le temps, votre propre temps, vous ne pouvez pas le consacrer à votre propre enfant. Tout à fait. Monsieur l'économiste. Oui, c'est tout ça pour, en fait, nous
nous faire voir que nous devons tout réorganiser. Nous devons organiser la société de telle sorte que l'offre de travail, c'est-à-dire du temps, et la demande soient en quelque sorte élevées à un niveau, parce que la loi de l'offre et de la demande jouant, et que la demande, si on organise bien le pays, la demande sera certainement forte. Aujourd'hui, pour prendre un exemple tout à fait terre à terre, mais il y a tous ces jeunes gens qui n'ont rien à faire, qu'on peut utiliser à ramasser de ceci, des pierres, ceci, etc. Donc il y a moyen d'organiser les jeunes qui n'ont pas d'emploi pour qu'ils puissent avoir une occupation, et une occupation et qui est tout à fait... Et vous évitez un certain nombre de choses un certain nombre de choses... Comme donc, les colonnades, c'est ce qu'on voulait dire. Donc, c'est vraiment un minimum d'imagination pour qu'on puisse... Et en plus de cela, en économiste, je dirais que les salaires qu'on paye à ces gens-là, mais même si on n'a pas fait de recettes d'exportation, là, on peut même utiliser la planche à billets parce que ce sont des salaires, des vrais travails qu'on rémunère. Et c'est des gens qui vont consommer. Le pays a besoin, l'économie a besoin de consommation, de consommateurs. Donc, des fois, on est un peu bloqué par des théories qui nous empêchent d'aller loin, parce que la vision keynésienne, et celle-là, il faut le viser surtout le plein emploi. Tout à fait. Et lorsque vous visez le plein emploi, pour que les gens aient des revenus, parce qu'ils vont, devoir consommer, l'industrie, à ce moment-là, trouve son compte. Mais on a l'impression que, comme disait une dame, je crois une malienne, qui disait, nous sommes comme coincés parce que nos élus, et le premier d'entre eux, vous allez voir que dès que les élections arrivent, l'Union européenne veut tout suivre, veut suivre qui va être élu, etc. Et une fois qu'il est élu, c'est eux qui valident, et ils lui disent, ça vous faites, ça vous ne faites pas. Alors vous avez fait une campagne pour dire, voilà, moi, je suis là, il y aura ça et ça. On voit que ce n'est plus ça qui est fait. Non. Donc ça montre clairement que nous sommes, pour revenir à ce que disent souvent les profs, nous sommes Léopold II, quantième. Ah, ouais, bah, le présent, c'est le Léopold II, 11. C'est le 11e donc, successeur de Léopold. C'est Léopold 11. Alors, demain, le 20 décembre, est-ce que nous allons élire Léopold 12, qui pourra s'appeler je ne sais pas comment, ou qui pourra être le successeur à lui-même, mais là, nous sortons un peu de notre... Voilà, c'est pas la politique. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais pour expliquer quand même aux jeunes qui voudraient aller en Europe, moi, je vais le dire, moi, j'ai travaillé dans un BHV, bazar de l'hôtel de ville. Vous arrivez à 9h, le boulot commence, et quand vous le terminez à 17h, vous rentrez chez vous, et je me souviens... Je m'en souviendrai toujours que vous êtes à ce point fatigué que un jour j'ai raté ma station de métro où je devais m'arrêter parce que j'ai dormi. Et à un moment, je suis allé en Europe un peu pour me promener. Je propose un verre à un jeune qui visiblement venait d'un travail dur. Il me dit, vieux, dans un tana. Namakasiakulia, l'œuf c'est quoi? Maki. Donc, donc, le travail qu'on va chercher en Europe, c'est vraiment pas une sinécure. Et si on pouvait l'organiser ici, le pays ne pourra que bien se porter. Je voulais vous poser une question, professeur. Parce que j'ai tweeté ça ce matin. Mais Staline avait dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaudrait pas un pays. Mais aujourd'hui, si nos autorités ont des problèmes, c'est parce que peut-être le Congo ne fait plus un pays parce que le chemin de fer n'existe plus, non?
C'est une colle. Ah ben, évidemment, heureusement que vous, vous avez clarifié vous-même votre pensée. Le Congo vaut plus qu'un penny. Même sans chemin de fer. Parce qu'aujourd'hui... Ah oui. Aujourd'hui. Je vous vois venir. À l'époque, oui, le chemin de fer et la mer, c'était tout ce qu'il fallait pour... Évacuer. Et à l'époque, des États-nations, chaque pays voulait être se suffire ou avoir au moins l'accès à la mer. C'est pour ça que Léopold II, dans son génie, comme son petit-fils a dit, avait fait tout pour avoir ces 40 kilomètres de côte que nous avons à Moanda. Mm-hmm. Mais, et là, parce que vous m'avez posé une colle et vous me ramenez à notre rêve ou à notre ambition de transformer ce pays en Eldorado africain. À l'époque de Stanley, chaque pays pensait qu'il n'avait que ce petit morceau de territoire limité par des frontières qui devait sauvegarder et assurer le bonheur de son peuple dans ce petit carré. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et j'allais dire, vous voyez, les petits pays de l'époque, comme la Belgique, la Hollande et le Luxembourg avaient compris qu'ils ne pouvaient pas et que le monde évoluait et que les petits pays, comme ils étaient, ils avaient conçu le Benelux. Ouais, un grand ensemble. Et le Benelux n'était qu'un petit ensemble, mais c'est le Benelux qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Ouais. Et donc, quand nous, avec toute la dimensité de notre territoire, et avec les 9 voisins que nous avons, si nous arrivons véritablement à nous projeter dans l'avenir, eh bien, le Congo sera la plaque tournante de l'Afrique, à tout point de vue, y compris les chemins de fer qui se meurent, mais qui existe. Vous savez qu'il y a maintenant ce fameux chemin de fer qui devait partir, qui traverse toute l'Europe, notamment pour lier l'Asie. Donc, nous avons tout pain sur la planche. Ce qui nous manque, c'est une utilisation intelligente, rationnelle de notre potentiel. Et ça doit commencer au sommet de l'État. Mais les intellectuels peuvent aider justement le sommet de l'État pour remonter les idées, non? Mais bah, là, vous me posez encore une case. Pourquoi pas? L'économiste. Non, mais c'est vrai que c'est l'organisation dont nous parlons, c'est justement l'organisation des citoyens, à commencer par les intellectuels. Oui. Parce que... Ils sont les fables. Ceux-là sont capables de saisir les enjeux mondiaux et les défis à relever. Le petit Lanton, bon, son horizon est assez limité. Mais ceux-là qui ont la capacité d'observer le monde et de comprendre, parce qu'ils ont appris la géographie, ils savent que le Congo est effectivement le cœur de l'Afrique. Non seulement il est au cœur, mais aussi le cœur de l'Afrique, il devrait pousser à ce que il y ait cette on l'appelle aggiornamento pour enfin revenir sur ce qui est fondamental et dire le Congo ne peut plus continuer à être malmené par le plus petit pays de la sous-région. Alors que c'est lui le plus grand de la sous-région, c'est pas normal. Tout cela, c'est pour nous montrer qu'il y a des choses qu'il faut absolument régler avant de commencer à pleurnicher pour dire qu'on est malmené, qu'on est agressé, qu'il y a le complot international. Tout ça peut être vrai. Mais si c'est vrai, c'est parce que justement, comme dit l'adage, la nature
a horreur du vide. C'est qu'il y a un vide ici. Si les gens s'acharnent à venir chacun prendre sa part, c'est parce qu'ils se disent, mais est-ce que ceux-là qui... Les occupants, est-ce là, qu'ils utilisent rationnellement leur temps? Oui, leur temps, manifestement, ils n'ont pas encore compris qu'ici, ils organisent correctement leur temps pour occuper leur espace de façon plus intelligente. Mais personne n'osera venir. Personne n'osera venir. Le ministre de la Défense qui vient de partir, il a bien compris cela parce qu'il a dit il faut absolument montrer au monde qu'il n'y a plus de blagues là. Le jeu est fini. C'est pour ça que quand on parle de service militaire obligatoire et toutes ces choses, c'est un dispositif qui doit être mis en place pour dissuader. La dissuasion, c'est bien cela. Dissuader toute velléité de... comment on dit, de conquête ou de pillage, etc. Expansionnisme, oui. Parce que on se rendrait compte que la donne a complètement changé. Mais si nous continuons, comme c'est le cas jusque maintenant, à uniquement nous plaindre que nos richesses sont pillées, sommes ceci, le convoitise n'arrête, mais n'arrêteront jamais. Donc il y a un travail préalable qui doit être fait par nous-mêmes pour montrer au reste du monde que nous avons désormais pris conscience qu'il y avait quelque chose qui manquait. Que nous avons utilisé ce temps, ce bien marchand à bon escient, n'est-ce pas? Eh bien, très bien. Je crois d'ailleurs que nous sommes limités par le temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous devrions bien rendre le micro. Mais je voudrais simplement pour... conclure. Non, je ne vais pas conclure avant. Je voudrais simplement dire que le bien marchand, d'aucuns pourraient être tentés de comprendre comme étant ce bien qui marche. Oh, quand même. Oh oui. Mais le bien, il marche effectivement, mais il est aussi marchand parce qu'il est vendable. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment précieux. Et c'est la seule chose, après tout. Parce que la mort, pour ne pas l'évoquer, c'est la finitude du temps matériel. Vous êtes croyant. Mais bon. Vous avez dit que j'aurais pu devenir évêque, prêtre. Mais vous avez dit quelque chose. Il y a quelqu'un. Vous avez parlé du pape. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Partagez ça aux téléspectateurs. Ah ben vous savez, c'était pour dire que il y a parce que quand on parle de richesse, il y en a qui ne pensent que à la richesse matérielle qui se mesure en argent, sonnant et trébuchant. Les chefs d'État dans le monde, il y en a plusieurs, mais il y a un chef d'État très particulier qui est le chef de l'État du Vatican, le pape. C'est un chef d'État qui n'a pas de salaire, et donc c'est un chef d'État qui n'est pas riche. D'autant plus que le pape que nous avons est un religieux. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, oui, parce que les autres les religieux séculiers. Par rapport aux séculiers, encore des termes que nous devrions expliquer, élucider, eux, ils ont fait en plus le vœu de pauvreté. Ils ont fait le vœu de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien posséder pour eux-mêmes. Donc le pape François, qui est jésuite, qui appartient à la compagnie des jésuites, dont il est très fier et qu'il rencontre chaque fois, comme il l'a fait ici chez nous, n'a pas de fortune personnelle, il n'a rien du tout. Et donc, mais cet homme n'a pas de temps. Et donc il est, conformément à la maxime que j'ai utilisée, au service, et tout son temps est au service des autres. Donc, il est riche parce qu'il n'a pas de temps dans ce sens-là. Et c'est pour montrer que le temps et la richesse du temps, ce n'est pas seulement en termes de dollars pour utiliser cette monnaie. Mais je voudrais qu'on s'arrête au dollar quand même, hein, parce que si nous commençons à diluer ça dans le spirituel, au risque de
nous risquons de ne pas être compris. Le temps, c'est de l'argent. Oui, mais je suis allé plus loin, mais parce que vous avez évoqué le pape, j'aurais pu parler de notre cardinal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toutes sortes de choses. Mais il est comme le pape, il n'a pas cet air religieux. Lui aussi, le cardinal Ambongo, pour ne pas le nommer, n'a pas de fortune personnelle. Et donc, tout ce qu'il reçoit, ce n'est pas pour son usage personnel, c'est pour les autres. Et les autres, ce ne sont pas seulement les catholiques. Je pense qu'en tant que catholique, on ne m'en voudra pas d'avoir dit cela. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous donner une minute pour que vous puissiez faire la différence. Vous avez dit que c'était un religieux, mais les séculiers, eux, n'ont pas fait les vœux de pauvreté. C'est une des différences pour que vous puissiez nous comprendre complètement. D'accord, monsieur Benigaba ? Tout à fait, d'accord. D'accord, professeur ? Tout à fait. Alors, à dans 15 jours. Bonsoir et bonjour chez vous.